Good morgen, allez, Yiden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat, David Ben Fortuna, Mazal Fritna, Dvora, Bat Esther, et Allegria, Bat Sol, Ben Soussan, et Bet Fanish. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Misha, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Nedarim, Perek Dalet, Mishnah Aleph. En Ben Amudar, Ana, Mechavero, Lemudar, Hem, Menou, Ma'achal, El Adrisat Aregel, Vekelim, She'en, Osin, Bahem, Ochel Nefesh. Amudar, Ma'achal, Mechavero, Loyash, Ilen, Unafa, Ugvara, Verechaim, Vatanur. Aval Mashil lo Chalouk, Vetabaat, Vetalit, Unezamin, Vechol davar She'en Osin Bo Ochel Nefesh. Makom Shemaskirin, Kayuitse Ba'en, Asur. On va comparer dans cette Mishnah une personne qui est Mudar Ana'a Mechavero et celui qui est Mudar Ma'achal Mechavero. Soit quelqu'un qui s'est fâché avec son ami et il lui a dit aujourd'hui c'est marrant, aujourd'hui on n'utilise plus tellement les Nedarim. On utilise encore les chevaux, il dit « je te jure, tu profites plus de moi, je te jure, je te jure ». Quelqu'un qui dit ça, il faut savoir maintenant faire attention à ce qu'il a dit, parce que ça l'a engagé « alpi alakha », interdit de transgresser sa joie. Juste, je ne l'ai jamais dit quoi dans les cours, mais c'est vrai qu'on n'est plus tellement confronté au nedarim, je pense quoi, je connais pas des gens qui prononcent des nedarim, mais le principe des nedarim, en tout cas, c'est de dire justement « tu prends plus rien de chez moi, je t'interdis tout ce que j'ai de chez moi ». Quelqu'un qui dit une phrase pareille, je t'interdis dans le sens « je t'interdis avec un issour khamour », en pensant qu'il utilise la force de la Torah, mais il est en train de prononcer un éder, l'ami. Et si elle a prononcé un c'est une chevoua, c'est un serment. Alors maintenant, il faut savoir maintenant qu'est-ce qu'il a inclus dans sa parole, parce que sa parole, elle engage, il est obligé, et c'est très grave de transgresser. Alors sur ça, la Mishnah vient me dit, En ben Mudaravana, Mechavo, quelqu'un qui s'est fâché, il dit, tu profites plus de moi. J'interdis tous les profits de moi. Ou bien l'autre, il lui dit, non, tu ne manges plus rien de chez moi. Alors, un, il interdit tous les profits, et l'autre, il interdit juste de manger. Alors c'est pour ça que la Mishnah me dit, alors qu'est-ce que ça implique? En ben amudar ana mechavero le mudar et menomachal, il n'y a de différence entre celui qui prononce un éder que son copain ne profitera plus de lui, ou celui qui prononce un éder que son copain ne mangera plus de chez lui, elle la drissat à regel, uniquement deux choses, deux points. Drissat à regel, qu'il n'a plus le droit de passer par chez lui pour raccourcir son chemin, vekelim shayen osin bem ochel nefesh, et les ustensiles avec lesquels on ne fait pas du tout de, on ne prépare pas du tout de nourriture. Soit, question, je t'ai dit tu profites plus de moi, ça implique que tu profites plus d'aucune manière, même si tu veux passer par ma cour pour, tu as besoin de raccourcir ton chemin, de passer par ici, tu n'as plus le droit de rentrer chez moi, parce que si tu rentres chez moi, tu profites de moi. Il y aura une petite discussion sur ça, mais on la verra quand on la rencontrera sur le Mishnah. Pour le moment, on retient les choses telles quelles. Et donc, tu n'as plus le droit de profiter, donc d'aucune manière. De même, moi, si tu me demandes une perceuse, je n'ai pas le droit de te la donner, parce que tu tires un profit de ma perceuse, tu n'as plus le droit. Alors que si jamais je t'ai dit, tu ne manges plus de chez moi, alors ça implique quoi, tu ne manges plus de chez moi? En réalité, ce n'est pas qu'il a dit que tu ne manges plus de chez moi, il a dit que tu ne profiteras plus de la nourriture de chez moi. Une phrase un petit peu. Anat ma'achal, tout ce qui t'amène à pouvoir, ça, il a dit, une, je ne sais pas s'il y a un terme en français, je n'ai pas trouvé le terme en français, en préparant le chiour, quoi. Pour définir, en fait, il a dit que tu mangeras plus grâce à moi, en fait. Ça signifie que je ne t'interdis pas que la nourriture de chez moi. Ça implique aussi même les casseroles, les fourchettes, même un batteur, même un tamis, même tout ce qui sert à cuisiner ou à utiliser des. D'accord, tout ustensile qui va nous aider à préparer à manger, c'est inclus dans sa parole. Ça, c'est un point. D'accord. Et on verra un autre détail dans la suite de la Mishnah, peut-être je le dis tout de suite. Non, on le verra dans la suite de la Mishnah. Amudar ma'achal mechavero. D'abord, la Mishnah, elle va me donner des exemples concrets. Amudar ma'achal mechavero. Celui qui fait le neder que son ami ne mangera plus de lui. C'est-à-dire, pas qu'il mangera plus de lui, mais comme on a dit, que son ami ne mangera plus grâce à lui. Il a dit une phrase un petit peu. C'est pas que la nourriture, mais c'est plus d'aucune manière. Tout ce qui amène au repas, tu profites plus de chez moi. Loyash ilenu, il ne pourra plus le prêter, ni napa, ou gvara. Qui sont deux sortes de tamis, un pour tamiser la farine, enlever les impuretés, un gua, c'est plus pour plus par rapport aux légumineuses en fait, pour pouvoir trier, il y avait une technique comme ça, avec une sorte d'entonnoir, où on secouait, ça faisait tomber des petites pierres en dessous, et on gardait les pois chiches en haut par exemple, et donc ça c'est gvara, rechaim, le moulin, ou le tanour, le fourneau, tout ça il ne peut plus l'aider, parce que c'est des choses qui conduisent à la nourriture, qui aident à la nourriture. Aval Mashil, non, par contre, il pourra lui prêter Chalouk, un vêtement, Vetabat, une bague, Vetalit, aussi un manteau, enfin un talit,
une cape, plus précisément, en talit. Et Nezamim, c'est comment dire, je sais pas exactement ce que... Des anneaux. Qu'est-ce qu'on fait avec des anneaux? Normalement, on les met dans les oreilles. À quoi ça sert les anneaux cette fois-ci? Et... Bon. Nezamim, c'est des bijoux. D'accord? Nezam Zaf, ça peut être un anneau qu'on met dans une boucle d'oreille, un anneau. Et en fait, après, je vais vous apporter une précision, pour le moment, j'avance. Mais Cholavar Shen, aussi, Bo Cholnefesh, aussi, tout ce qui sert... Tout ce qui ne sert pas à produire de la nourriture. On ne mange pas avec un vêtement. On porte un vêtement quand on mange, c'est vrai, mais un vêtement n'est pas nécessaire pour manger. Ouais. Il y aurait une exception qu'on va dire dans quelques secondes. Maintenant, Makom chez Maskirin Kayou Seben Asur. Maintenant, les endroits où on loue ces objets-là, par exemple, lorsque je veux un moulin, lorsque je veux un fourneau, je dois partir chez l'autre qui lui donner 5 shekels pour utiliser le four pendant une heure. Dans un endroit où on loue ces choses-là. Ce pas des choses qu'on prête. C'est des choses qu'ils font avec lesquelles on fait du business. Alors dans ce cas-là, même à celui à qui j'ai fait le neder qu'il ne pourra pas manger grâce à moi, je ne pourrais plus le faire gratuitement, même lui prêter une perceuse. Gratuitement. Imaginez par exemple, un endroit où on ne se prête pas les perceuses. Quand tu veux une perceuse et que tu n'en as pas, tu vas, tu la loues chez l'autre voisin qui a il a des objets qu'il met en location, et là-bas, il a une perceuse en l'air. Donc maintenant, si moi je te prête ma perceuse gratuitement, c'est vrai qu'avec la perceuse, on n'utilise pas pour manger, c'est vrai. Mais si on a l'habitude de louer ces objets-là, et que moi je te la fais gratuitement, grâce à moi, tu as économisé 5 shekels. Avec 5 shekels, tu as en théorie un pouvoir d'achat pour acheter du pain ou du lait. Et dans ce cas-là, ça s'appelle que grâce à moi, tu as profité, donc ça devient interdit. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a utilisé, ce qu'on a permis d'utiliser... de prêter les vêtements et les bagues et tout ce qu'on a évoqué, c'est uniquement lorsqu'on peut les obtenir de toute façon de manière gratuite. Alors dans ce cas-là, moi je peux te les prêter, parce que tu ne vas pas avoir un profit qui conduit au repas grâce à moi. Par contre, si c'est des choses qu'on loue, alors le fait d'économiser l'argent, c'est en soi-même une raison pour laquelle tu n'auras pas le droit de profiter de moi, parce que quand tu gagnes de l'argent, tu pourras acheter à manger. Ça c'est une première précision. Deuxième précision ancienne que je voulais vous dire, c'est pour toutes sortes de bagues et de bijoux qu'on peut mettre. La c'est rapporté dans la Gemara, c'est le Tiferet Israël qui le rapporte ici aussi, c'est que si ce sont des choses que, grâce à elles, tu vas pouvoir faire le beau et être mieux nourri. Par exemple, imagine quelqu'un qui organise une belle réception, et maintenant tu n'as pas des habits pour partir dans cette réception. Et si tu vas avec ta chemise simple, tu n'es pas classe, tu ne vas pas pouvoir y aller. Et que moi je vais te prêter maintenant mon costard, mon smoking, pour pouvoir partir dans cette belle réception et grâce à ça te sentir à l'aise pour pouvoir manger. Il s'avère que maintenant, le fait de prêter le vêtement, ça va t'aider, ça va te conduire à la nourriture. De nouveau, je n'aurai plus le droit de te prêter le smoking. D'accord? C'est clair? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, comme tout, c'est là.